Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son travail. Rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain. Et l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, puis il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Le diable l'emmena sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem et le plaça tout en haut du temple. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. » Il est écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. »